Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on continue l'arc Ninjago 2, on en parle, on est toujours le 16 février au moment où je récorde ça, et aujourd'hui nous allons parler de Ninjago Decoded, qui est une mini des mini-épisodes, dure quand même 11 minutes de souvenirs en moyenne, donc voilà, une mini-saison intermédiaire, j'ai envie de dire. Ça se déroule après la saison 7, après l'été de Wu, et avant le film, c'est vraiment le dernier point final, j'ai envie de dire, avant le changement de design. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, à chaque épisode, il y aura les ninjas doivent aider Zane à résoudre une énigme, la Ninjigma comme il l'appelle, tout en faisant le plus possible, parce que Zane est attaqué par une sorte de virus. Et voilà, en termes de speech, chaque épisode traite bien d'un thème spécifique, du coup, que ce soit les véhicules que les ninjas ont obtenus, les différents méchants, les différents adversaires, les autres maîtres élémentaires, etc. etc. Et voilà, pour le speech, en positif et négatif, négatif, ça reste assez long à certains moments, vu que on connaît déjà tout ce qui s'est passé. Ça fait un peu long, je trouve. Le fait que un manco le soit pas affronté un monstre, on n'a aucun dieu du monstre, ça se trouve, c'est un monstre nouveau que l'on n'a jamais vu. Ça, c'est, je trouve un peu dommage qu'on n'ait jamais vu cette créature. Mais sinon, ça reste sympa à regarder. Ça fait un dernier petit dommage, entre guillemets, ça fait un dernier petit truc avant de finir Ninjago avec les anciens visuels. Sinon, pas grand chose à dire de plus. Pour la note, ça va être 5,5 sur 10. Et d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche. Et on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vous dis enjoy!